Salut, salut! Bon, alors avant qu'on commence, il faut que je vous montre un truc. Vous allez voir, c'est vachement cool. Est-ce que vous voyez toute cette neige? Alors pour moi qui suis rentrée hier soir de la Nouvelle-Orléans, je peux vous dire que ça me rend très très heureuse. Je trouve ça super beau. Je pourrais, je pense, passer toute la journée à regarder. Je vais essayer pendant que je filme de pas trop tourner la tête par là. Ou je le ferai peut-être après. Voilà, c'était tout. Sinon, on est obligé de le rappeler, aujourd'hui c'est le 31 décembre, le jour de la Saint-Sylvestre. Qui dit jour de la Saint-Sylvestre dit jour de l'an. Et qu'est-ce que c'est le jour de l'an? C'est tout d'abord le premier jour de l'année, à ne pas oublier, mais c'est aussi en général commencer l'année complètement sous. Ça arrive très très souvent ça. C'est la soirée où potentiellement on va avoir la pire photo de soi. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos sur la colocation, je parlais que c'était en général les colocataires qui obtenaient les pires photos. Et ben moi, pendant un jour de l'an, ils ont obtenu ça. Celle-ci est la pire photo de moi qui existe. C'est comme pour Noël, devoir peut-être passer la soirée au travail, et là, je dois vous dire que vous avez tout mon soutien. Je pense très fort à vous, courage. C'est entendre tout le monde crier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Le flop. Ah, c'était dans l'autre sens. Bonne année! J'ai foutu des confettis de partout. Voilà. C'est quand on le fait chez soi, retrouver pendant un an des confettis. Ne jamais le faire chez soi. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est fêter ça dans toutes sortes d'endroits différents. En chalet, avec des amis, en boîte, au ciné. Et des fois, on se dit même qu'on aimerait bien le fêter dans un endroit un peu fou. Dire une année, j'irai le faire sur Times Square. Et ben moi, je l'ai fait, ça. J'ai voulu y aller parce que c'était l'endroit où au monde, pour le jour de l'an, il y a le plus de gens. Je dis que ça allait être dingue, il y avait des shows d'organiser. Et ben c'était un très mauvais plan. C'était vraiment le pire plan que j'ai eu. C'était pourri. C'est-à-dire qu'on était des milliers regroupés, parqués au milieu de gris, et puis qu'on voyait rien parce qu'on était beaucoup trop loin, qu'il faisait froid, qu'on pouvait pas bouger. On est resté 7 heures au même endroit, à regarder un show sur un écran tout petit, qui avait pas de son. Non, on aurait dû partir, mais on voulait voir le feu d'artifice sur Times Square, que nous n'avons même pas vu. Non, on était trop loin, on était cachés par un immeuble, donc on n'a rien vu du tout. Passer 6 ou 7 heures à attendre, pour rien. Et vraiment, si vous vous apprêtez à faire ça, changez d'idée. Allez sur le pont de Brooklyn, paraît que c'est vachement joli, qu'on voit plein de feux d'artifice de toute la ville, allez là, n'allez pas sur Times Square. Non. C'est parfois ne rien faire du tout parce qu'on est cloué au lit avec 42 fièvres. Si c'est ton cas, soigne-toi bien et dis-toi que tu échappes potentiellement à la pire soirée de l'année. Tu ne loupes peut-être rien. C'est tenter de prendre des résolutions qu'on ne tiendra jamais. Qui a déjà tenu ses résolutions? C'est parfois être déjà en train de dormir au moment du décompte, et ça a en général un rapport avec la première chose que j'ai énoncée. Ça m'est déjà arrivé, moi, où tout le monde était sous à 11h et on s'est retrouvé à 2 au moment du décompte. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention. C'est la soirée où il y a les pires émissions de télé. Le seul truc bien, c'est le moment du décompte. Non, avant, ça sert à rien d'allumer. C'est quand même parfois passé vraiment une super soirée. Enfin, celle que j'ai faite ici, elle était vraiment géniale. Cette année, je vais au même endroit et j'espère que ça sera tout aussi génial. C'est réaliser que les fêtes de fin d'année sont déjà finies, qu'on va pouvoir ranger toutes les décos et qu'il va encore falloir attendre un an. Eh oui, ça passe vraiment vite. C'est la période où tu vas pouvoir manger de la galette des rois. Je rêverai de manger de la galette. Ça doit bien se trouver dans Montréal. Si vous savez où il y en a, mettez-le moi dans les commentaires. C'est avant tout une fête. C'est vouloir envoyer un message à tout le monde pour leur souhaiter la bonne année, mais que le réseau soit saturé. Tes SMS, ils partent jamais. Ils vont partir 3 heures après. Avant, t'en recevais même 6 mois après. C'est toujours avoir quelqu'un qui, 2 jours avant le jour de l'an, va te dire « Tu fais quoi pour le jour de l'an? Moi, j'ai rien de prévu. » Ou à l'inverse, c'est ceux qui te le demandent 3 mois avant. C'est l'occasion de se mettre sur son 31, sauf quand le thème de la soirée est pute et pasteur. J'ai été la seule à venir habillée en nonne à cette soirée. C'est la soirée où tout est possible, et pourquoi pas tenter le coup avec la personne sur qui on a des vues. Parfois, il y a de très belles choses qui en ressortent. Parfois non. Mais parfois oui. C'est une soirée qui, en grandissant, a beaucoup moins d'importance. Quand on est jeune, on veut faire un truc fou, on veut préparer plein de trucs, et en grandissant, on prépare ça de plus en plus à la dernière minute, on s'en fout un peu de ce qu'on va faire. Du moment que je suis avec mes amis, je sais que ce sera bien. C'est chaque année entendre quelqu'un qui va te dire « Ah bah j'espère que cette nouvelle année, elle va être mieux que la précédente, hein !» C'est aussi entendre ça « Oh bah bonne année, qu'est-ce que je te souhaite pour cette année? La santé, la réussite, l'amour ?» Et le pire. Bon, et puis à l'année prochaine, hein. Et c'est avoir le souvenir d'au moins un jour de l'an bien pourri. Qui n'en a pas? Tout le monde a le souvenir d'un jour de l'an bien nul. Bref, sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et non pas à l'année prochaine parce qu'on a compris que cette blague était nulle. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé, n'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires quel a été ton pire jour de l'an ou ce que représente le jour de l'an pour toi. Tu peux aussi aller me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, tu peux aussi t'abonner. Et en tout cas, je te souhaite une très bonne année, j'espère que tu vas passer une super soirée et que cette soirée ne sera pas dans la liste de tes pires jours de l'an. Allez, bisous bisous! Maintenant, j'ai plus qu'à ramasser tous les confettis.